Vous êtes allé magasiner? Je suis la maman de Marco. Ah oui, 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 je me souviens. Je ne veux pas vous déranger, mais est-ce qu'il va bien avec vous? Il s'est fait 2 fois qu'il se bat à l'école dans 1 mois. Oh oui, oui, il est très gentil. Il y a même un nouveau qui est arrivé, puis Marco l'aide beaucoup. C'est vraiment un bon petit gars. Oh oui? Vous me rassurez. Mais écoute, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. J'ai une interview aujourd'hui. Hey! Hey, félicitations! Merci. Tu m'en donneras des nouvelles? Oui. Madame Rodriguez, votre CV est impressionnant. Vous avez fait beaucoup de choses en peu de temps. Je pense que tu devrais plutôt créer ton CV en mettant l'accent sur tes compétences et tes réalisations professionnelles. Quel est votre plus grand défaut? Peut-être que je suis un petit peu gênée. Les gens pensent que je suis réservée. Mais j'essaie de m'améliorer en participant des discussions entre amis. Et dans une entreprise, dans un organisme qui travaille avec des immigrants comme moi. Maria, l'entrevue, c'est l'étape ultime. Même dans notre langue maternelle, c'est difficile. Donc, dans une langue seconde, j'ose pas imaginer. C'est pour ça qu'il faut mettre autant de temps sur la préparation de ton entrevue que sur la rédaction de ta lettre puis ton CV. Qu'est-ce que tu vas répondre si l'employeur te demande « Quel est ton plus grand défaut? » Peut-être que je suis trop perfectionniste. Tu vois, je viens de te poser une question qui est très fréquente en entrevue. On va chercher ensemble une réponse un peu moins plate. Tu dois pas avoir l'air parfaite. Faudrait plutôt que tu montres que tu puisses te remettre en question puis te corriger. Prochaine question. Why would you like to work for our company? Je ne m'exprime pas encore parfaitement en anglais, mais je peux suivre des conversations, bien sûr. Et en plus de le français, je peux parler espagnol, ce qui peut être excellent pour votre entreprise, puisque j'ai lu que vous cherchez à percer les marchés sud-américains. Mm-hmm. Bon, d'accord, je n'ai plus de questions. Porque nadie nos dice que debemos hablar francés e inglés para encontrar trabajo aquí antes de emigrar. Quedan 5 semanas de francización, por lo tanto 5 semanas de financiamiento. Las 3 entrevistas de Ricardo han estado muy mal. 1 mes cuesta más caro de lo previsto. Con lo que nos resta vamos a sobrevivir 4 meses máximo. 3 y cuento que debemos comprar ropa de invierno para toda la familia. ¿Con qué vamos a pagar si tenemos que tomar el curso de inglés? ¿Ricardo? Soy yo. Yo me pregunto si no deberíamos regresar a nuestro país.